Je m'appelle Anne, j'ai vécu un Noël particulier l'année dernière, c'était pendant mon voyage de noces. J'étais en Patagonie, donc au Chili et en Argentine. Donc pendant le voyage, on était entouré de montagnes, on était perdu au milieu de nulle part et on s'est pas du tout rendu compte que c'était l'Avent, que c'était Noël. On n'avait pas de préparation matérielle, pas de magasin, pas de décoration de Noël. On n'a pas fait de shopping. Et voilà, donc cette préparation matérielle, même d'en parler en fait avec nos familles, nos amis, on n'avait pas du tout. Donc on ne s'est pas vraiment rendu compte en fait que Noël approchait. Sauf un jour, on est arrivé dans une ville et là, voilà, c'était vraiment l'effervescence. Pour le coup, il y avait des décorations de Noël, ça brillait partout. Et là, on s'est dit, tiens, c'est vrai, c'est bientôt Noël. Et donc, par contre, donc voilà, on n'a pas vécu cette préparation matérielle. Donc ça, c'est plutôt positif parce qu'on n'a pas été happé par ce côté consommateur. En revanche, on n'a pas trop vécu non plus de préparation spirituelle. Donc, ça veut dire qu'on allait aux messes de l'Avent du dimanche. Mais c'est tout. Enfin, on s'est pas plus préparé que ça. Et voilà. Et en fait, le jour de Noël, donc je suis allée me confesser et j'explique au prêtre que bon, je lui explique un peu le contexte du voyage, donc on fait de la randonnée, qu'on a une vie super simple parce que on a juste notre tente, notre sac à dos et voilà, et on vit grâce aux gens en fait qui nous accueillent chaque jour. Et voilà, je lui dis que je suis un petit peu honteuse parce que j'ai pas du tout préparé mon cœur à Noël, que j'y ai pas du tout pensé et que là, tout à coup, ça arrive. Et je suis pas prête. Et donc le prêtre me dit, en fait, si vous vous êtes préparée à Noël parce que le fait de vivre avec votre mari tous les jours, de partager ce voyage à deux, d'observer la nature, de la respecter, de vivre avec elle. Voilà, je lui expliquais que j'étais impressionnée par la grandeur de la nature, des montagnes, des paysages que je voyais. Et il m'a dit que ce qui était magnifique, c'était ça en fait, c'était de savoir s'émerveiller, enfin que je m'émerveille de tout ce que je voyais. Et voilà, donc j'ai été très touchée par ça, par ce qu'il m'a dit. Et puis il m'a dit que c'était également le fait de vivre très simplement au jour le jour et qu'en fait, voilà, mon cœur était quand même prêt à recevoir, à la venue de Jésus qui était tout petit, en fait, qui était tellement grand. Et voilà, et en fait, pour nous, Noël, ça a été une journée comme les autres, enfin, en tout cas en apparence. On n'a pas eu de repas familial, on n'avait pas de sapin, voilà, on a quand même fait de la randonnée. Voilà. Par contre, c'était quand même un jour de fête dans nos cœurs. Et voilà, et donc c'était super, mais c'était très, c'était particulier.